il y avait de plus en plus d'établissements scolaires qui participaient au salon. C'est la raison pour laquelle ce salon est devenu communautaire et que le Grand Narbonne maintenant le pilote. L'originalité de ce salon, c'est que l'ensemble des élèves qui y participent ont lu les auteurs qui sont en sélection. Et donc, ce qu'il fait que lorsqu'ils rencontrent les auteurs, ils rencontrent tous les auteurs sélectionnés dans leur niveau, les échanges sont très fructueux, très intéressants. En tout cas, c'est ce qui ressort des discussions qu'on peut avoir avec les auteurs. Ils sont vraiment ravis, contents de voir qu'ils peuvent discuter de leur travail, de leur ouvrage, avec des élèves qui connaissent parfaitement l'histoire racontée dans le livre. Ce qui revient souvent, c'est quand même la technique, c'est-à-dire comment j'ai fabriqué ce livre-là. Comment je suis arrivé à le faire, soit dans l'illustration, soit techniquement à l'imprimerie ou des choses comme ça. Les ouvrages sélectionnés avaient un rapport avec la notion de trésor, mais aussi avec tous les domaines qu'on a pu expérimenter sur le salon, c'est-à-dire les arts plastiques et la musique. Donc par exemple, en arts plastiques, on avait invité un plasticien pour faire revivre un trésor local, c'est-à-dire Charles Trenet. Et ce plasticien travaille avec le procédé de l'anamorphose. Donc il assemble des objets qui, par la suite, une fois qu'on le regarde par le truchement d'un petit œilleton, apparaît un visage, un portrait. Les jeunes, en particulier les professeurs d'art, sont souvent recours à mon travail pour faire des exercices avec les enfants. Vous savez que les médiathèques désherbent, hein, ils envoient des livres au pilon qui ne sont plus empruntés par les adhérents, par les usagers, sont donc vendus 1 euro le livre. Et là, nous en avons vendu à peu près 2000. Donc vous voyez qu'en quelques heures, ça a été vraiment plusieurs centaines de personnes qui se sont groupées autour des tables, autour de la médiathèque pour pouvoir acquérir ces ouvrages à 1 euro. Nous allons remettre tout à l'heure le prix Gragnotte, hein, le prix de la ville de Narbonne, aux auteurs qui seront sélectionnés par les élèves qui ont voté, hein, donc pour un auteur par niveau, c'est-à-dire CM2 6e, ensuite 5e, 4e et 3e seconde. On a ouvert la musique et on a fait un concert hier soir où il y avait à peu près 400 personnes dans la cour de la Madeleine pour accueillir une jeune chanteuse qui s'appelle Mélis Mel. Bon, c'était le premier album et qui est sans doute un futur trésor de la chanson française. Voilà.